Au commencement, il y eut une comète. Pendant des millions d'années, elle traversa l'immensité de l'espace comme tant d'autres comètes, à l'exception près que celle-ci détruisait les étoiles sur son passage. Une force irrésistible attirait les astres alentour dans son sillage, les sortant de leur orbite et occasionnant des cataclysmes destructeurs. Au fil des millénaires, une infime partie de poussière issue de ces explosions parvint jusqu'au cœur de la comète et s'y amassa, jusqu'à ce qu'elle atteigne une taille telle que sa vitesse commença enfin à décroître, et que sa folle course s'acheva là où nous sommes aujourd'hui. Car en vérité, nous marchons à sa surface. Notre soleil éclairait d'autres mondes en s'étant reculé, mais la force d'attraction de la comète n'avait en rien faibli, et un à un, tous les astres du système commencèrent leur lente progression vers la mort, y compris le soleil. Les mondes percutèrent la surface de la comète et s'ajoutèrent à la masse tournoyante qui enflait de plus belle. Quand il ne resta plus que le soleil menaçant d'exploser à son tour, apparut Astral, la cité étincelante des dieux. Elle s'interposa entre la comète et le soleil. Et la toute-puissante Tanit retint le soleil d'une main et repoussa la comète de l'autre. La force d'attraction reflua, découvrant pour moitié la surface d'un monde vierge, qui était sans doute le dernier refuge possible pour la vie, et que le Panthéon décida de fertiliser. Nous vivons et mourrons dans l'hémisphère habitable du dernier monde. Nous arpentons une terre issue de milliers de mondes détruits, rendue hospitalière par la seule volonté des dieux, et pour laquelle ils se battent encore chaque jour. Car de l'autre côté, rôdent des créatures sans cesse repoussées par les armées célestes et assoiffées de vengeance, dont nous ignorons la nature exacte. Tout comme nous ignorons la nature exacte du cœur de notre monde qui voyagea de si loin et causa tant de malheurs. Trois courants de pensée ont émergé au sein des érudits de tous bords, également répartis en nombre d'adeptes. Le premier suppose qu'au cœur du monde repose un berceau d'une créature à naître, d'une nature inimaginable et dont l'éclosion signifiera la fin du monde et peut-être de toute chose. Pour ces érudits, les dieux retardent la naissance et œuvrent à contrer son avènement. Au sein de ce courant de pensée, il est répandu de croire que le cœur du monde abrite une créature de nature reptilienne, car sa première manifestation véritable pour contrer le Panthéon en fut un. Ouros, le serpent du monde, contre lequel Aor combattit et des lambeaux duquel il enfanta nos dragons. Le second suppose que le cœur du monde est une prison, où fut enfermée et expédiée au loin une entité dont la nature reste mystérieuse. Leur théorie hésite sur le fait de savoir si c'est la prison elle-même qui produit la dévastatrice force d'attraction, dans le but d'empêcher quiconque de s'approcher, ou si c'est plutôt la créature enjôlée qui manifeste son mécontentement. Pour eux, les dieux seuls ont la réponse et œuvrent soit pour libérer le prisonnier, soit pour le maintenir enfermé. Le troisième est apparu très récemment et prophétise que la comète résulte de la chute d'une entité apocalyptique certainement tombée au combat, et dont le cadavre a dérivé, détruisant collatéralement ceux dont il croisait la route. Le cœur de notre monde serait donc un corps inanimé, mais toujours habité d'un pouvoir immense, que les dieux drainent jour après jour,
et dont les créatures du néant sont une manifestation inconsciente, comme le système immunitaire d'un cadavre qui décline peu à peu. Ce dernier courant de pensée est considéré comme le plus positif, car il prophétise l'inévitable victoire du Panthéon face aux forces moribondes qui s'opposent à lui. La vérité est, comme dans d'autres domaines, hors de portée des simples mortels que nous sommes. Les puissances et les célestes eux-mêmes ignorent le fin mot de l'histoire. Peut-être seul Tanit, et certainement Doella, savent ce qu'il en est vraiment. Un œuf. Une prison. Un cadavre.